L'univers n'a pas toujours été tel que nous le connaissons aujourd'hui. À l'origine, il y avait l'œuf cosmique, un concentré de masse atomique qui explosa après avoir atteint la limite de la densité il y a 15 milliards d'années et projeta ses fragments à travers l'espace. Certains de ces fragments sont restés incandescents et ont formé les étoiles. D'autres se sont refroidis et ont formé les planètes et les météorites. Ces éclats, voyageant dans l'espace, ont fini par former le nombre inimaginable de 10 puissance 11 galaxies qui forment l'univers. L'univers est si gigantesque que notre galaxie, la Voie lactée, déjà immense puisqu'elle contient 234 milliards de systèmes solaires en plus d'une autre, n'est qu'une goutte d'eau dans cet énorme océan. Il y a environ 5 milliards d'années, dans un agglomérat de météorites errantes dans l'espace, la présence de radiations ultraviolettes permet l'apparition des glucides, molécules essentielles pour les fonctions reproductives. Quand ces météorites et leurs glucides entrent en collision avec des planètes où le carbone et l'eau liquide sont déjà présents, la vie apparaît. C'est ainsi que des formes de vie naissent sur certaines planètes de la Voie lactée et probablement sur d'innombrables planètes d'autres galaxies. Il y a environ 1 million d'années, la Voie lactée s'anime. Des êtres semblables aux humains, mais mesurant 2 fois leur taille, les belliqueux Anunnaki, qui prédominent sur une planète orbitant autour de l'étoile Némésis, acquièrent une technologie si avancée qu'ils peuvent explorer l'espace. Ils parviennent même à pénétrer le système solaire, colonisant Mars et Nibiru pour en faire des stations spatiales. Nibiru est une planète qui met 3600 ans pour effectuer son parcours autour du Soleil. Au commencement, lorsqu'elle fut attirée par les forces gravitationnelles de notre système solaire, Nibiru entra en collision avec la planète Tiamat et la cassa en deux, générant la Terre et la Lune. Son orbite s'est maintenant stabilisée, mais dans le passé, à chaque fois que Nibiru s'approchait de la Terre, elle causait un désastre. Ses passages successifs provoquèrent les glaciations, la fossilisation de forêts entières et la disparition d'animaux énormes tels que les dinosaures. Il y a environ 250 000 ans, à cause de son orbite qui l'éloigne du Soleil pendant longtemps, Nibiru gèle. Pour la réchauffer, les colonisateurs Anunnaki créent un effet de serre en nébulisant uranium, hélium et or dans son atmosphère. Nibiru restait cependant trop pauvre en or. L'occasion pour en obtenir davantage se présente quand le roi Anunnaki, Alalu, destitué de Nibiru et réfugié sur la Terre, découvre qu'il y a de l'or en abondance sur cette planète. L'inscription suivante, se trouvant sur une tablette sumérienne, en témoigne. Sur la grande montagne de Mars, ils ont sculpté avec les rayons l'image d'Alalu, que son visage regarde pour toujours vers Nibiru, où il a régné, et vers la Terre, où il a découvert l'or. Sur Mars, dans la zone de Cydonia, il y a en effet une formation montagneuse semblable
à un visage humain. Les Sumériens sont fiables. Il y a 5000 ans, ils représentaient déjà toutes les planètes de notre système solaire, y compris Uranus, Neptune et Pluton, qui pourtant furent découvertes il y a peu de temps. Ce n'est pas un hasard si le premier salut incisé sur le disque qui a accompagné en 1977 les sondes américaines Voyager, lancées dans l'espace pour contacter d'éventuelles civilisations extraterrestres, était en langue sumérienne. Quand le nouveau roi de Nibiru, Anu, apprend qu'il y a de l'or sur la terre, il prend la tête d'une expédition. Accompagné par ses fils, Anki et Enlil, par d'autres membres de la famille royale et plusieurs centaines de scientifiques et de militaires, Anu débarque au sud de la Mésopotamie, où il établit Eridu, qui veut dire « maison loin de la maison ». Les tablettes sumériennes citent les Anunnaki comme étant ceux qui sont venus des cieux sur terre. Elles racontent que Anu confine à l'Alu sur Mars et que les Anunnaki commencent la construction des établissements nécessaires à la mission. Ayant besoin d'eau et de glucides, ils créent l'Éden, champs d'agriculture et d'élevage. Puis, en explorant la terre entière, ils découvrent d'abondants gisements d'or au sud de l'Afrique. Satisfait, le roi Anu repart et laisse le commandement de la mission à Enlil, son héritier, tandis que Enki dirige les mines d'or dans l'actuel Zimbabwe. Mais les explorateurs Anunnaki, utilisés pour la dure tâche des excavations d'or, refusent bientôt de travailler. Dans la Bible, écrite des millénaires plus tard et qui reprend les récits sumériens, les Anunnaki sont appelés Elohim et cette rébellion est représentée par les anges désobéissant aux ordres de Dieu. En ce temps-là, des troupeaux d'Homo erectus vivent au sud de l'Afrique. En les observant, Enki réalise que ces primates sont adaptés à creuser la terre. Il capture donc une femelle erectus et l'amène à Enlil, chef de la mission. Celui-ci donne l'autorisation d'effectuer des expérimentations et le groupe médical Anunnaki manipule génétiquement un ovule de cette femelle, le greffant à l'ADN de Niursag, épouse de Enki. C'est ainsi qu'il y a environ 200 000 ans, naît un hybride stérile, mâle, fort physiquement et intelligent. Les Anunnaki l'appellent Lulu et en clonent un millier qu'ils transportent en grande partie en Afrique. Créés pour obéir et travailler, les Lulu intègrent des concepts inexistants dans la nature. Celui de Dieu, en reconnaissant les capacités supérieures des Anunnaki, et celui de l'immortalité, tiré du fait qu'ils ne peuvent jamais constater la mort des Anunnaki puisque leur espérance de vie dépasse des milliers d'années terrestres. Excités et amusés par cette expérimentation, Enlil ordonne à ses médecins de réaliser de nouveaux êtres en mélangeant l'ADN du Lulu à celui d'autres animaux. C'est ainsi qu'ils obtiennent le Pan, un être moitié Lulu et moitié chèvre auquel les Anunnaki enseignent à jouer de la flûte. D'une jument naît le centaure, moitié Lulu et moitié cheval,
auxquels ils enseignent l'usage de l'arc. Puis ils créent toutes les créatures animalesques décrites dans les mythologies. L'amusement se termine lorsque ces hybrides s'éteignent, ne vivant que 100 ans, tout comme les Lulus. Les médecins clonaient en continu, mais en nombre insuffisant. Les travaux traînaient. Enki comprit alors qu'il fallait un Lulu fertile, apte à procréer, sans plus passer par les laboratoires. Enlil n'était pas d'accord sur ce point. Il craignait une croissance incontrôlable de ces êtres qui auraient pu se rebeller, faisant ainsi échouer leur mission. Enki rétorqua qu'avec ce nombre limité de Lulu à disposition, la mission allait sûrement échouer. Alors, contre son gré, Enlil finit par approuver la fertilisation du Lulu et l'on produisit l'Adama, l'Homo sapiens, le progéniteur de l'homme actuel, créé à l'image et à l'égal des Anunnaki. C'était un Lulu amélioré et fécond qui vivait 300 ans, costaud et de 2 mètres de haut. De l'état de pacifique cueilleur d'œufs et de végétaux, ce primate passa à l'état d'homme, le plus féroce des chasseurs terrestres. Cette idée que l'Adama puisse être dangereux divisait encore les Anunnaki. Enlil était soutenu par la famille royale et les militaires qui voulaient tous éliminer les Adama en faveur des Lulus plus contrôlables. Enki, appuyé par les scientifiques, considérait que les Adama, bien instruits, étaient une ressource importante pour les Anunnaki et que dans le futur, ce serait à ces êtres humains qu'il reviendrait de gouverner la Terre. Les Adama vont donc succéder aux Lulus dans l'Éden pour le travail des champs et une grande partie sera transportée au Zimbabwe dans les mines d'or. Un problème se pose en Afrique lorsque Enki engrosse deux femelles humaines et que celles-ci mettent au monde des fils. Quand Enlil l'apprend, il devient fou de rage. C'est un opprobre pour lui, autant que l'union sexuelle d'un homme avec un animal l'est aujourd'hui. Il accuse les femelles humaines de péché originel et ne souhaitant pas que ce problème surgisse à Eridu, il ordonne de chasser les êtres humains de l'Éden. Dans la Bible, c'est le renvoi du paradis terrestre. En Afrique, Enki ne chasse personne. Bien au contraire, il enseigne des connaissances supérieures à certains humains pour en faire les premiers rois. Le reste des hommes, eux, doivent creuser. Enki, considéré comme un dieu, confère le titre de prêtre à des initiés et instaure la première religion. Sa règle est l'obéissance totale. La menace ultime est la mort. L'homme est donc contraint de servir ce dieu impitoyable. Pire encore, ce concept du pouvoir absolu est adopté par les rois qui exploitent à leur tour leurs assujettis avec violence. Il y a environ 100 000 ans, le roi Anu meurt. Enlil n'a pas de temps à perdre s'il veut conserver le trône. Les Anunnaki sont sans scrupules et les prétendants ne manquent pas.
Il déclare donc la fin de la mission. Sa priorité est désormais que tous retournent sur Nibiru pour défendre son trône. Enki, n'étant qu'un fils engendré par une concubine, sait qu'il ne pourra pas accéder au trône. Il refuse donc de partir, estimant avoir déjà son propre trône en Afrique. Enlil se fâche. Il ordonne aux Anunnaki assignés au port spatial de l'île de Pâques, les fameux Moai, de garder Enki sous contrôle. Puis, lui et sa suite quittent la Terre. Enki, ne sachant pas quoi faire de tout cet or abandonné, le donne en cadeau aux hommes les plus fidèles. C'est l'âge d'or, et il y en a en abondance à cette époque. Il y a environ 50 000 ans, Enki et sa cour quittent le Zimbabwe pour Eridu. Eux se déplacent à bord de leur machine volante et sont suivis sur Terre par les rois les plus fidèles et leur peuple. C'est la première grande migration humaine allant de l'Afrique au Moyen-Orient. En remerciement, Enki donne à toute fille de roi l'un de ses fils comme époux et de ses unions naissent des mortels exceptionnels, les dieux héros. Cependant, à Eridu, cette concentration d'Anunnaki et de dieux héros, tous guerriers, risquant de se transformer en conflit, Enki envoie les dieux héros conquérir la terre entière, déjà occupée par les descendants des renvoyés du paradis terrestre. Les dieux héros partent donc, et certains vont occuper l'Égypte et la Palestine. D'autres envahissent le continent européen et éliminent les hommes de Néandertal. D'autres s'établissent à Malte et en Sardaigne en faisant des cités-écoles pour initier. D'autres s'installent sur les terres jadis émergées de l'océan Atlantique et fondent la puissante Atlantide. Et d'autres encore arrivent jusqu'en Chine et en Inde. Les dieux héros équipent leur territoire de bases pour le lancement de missiles, de gigantesques constructions en pierre où garder leurs armes nucléaires et d'énormes phares pyramidaux visibles du cosmos. C'est ainsi qu'apparaît simultanément, en différentes parties du monde, le même type de construction et de culture. À la mort des dieux héros, leur trône passe aux descendants engendrés avec des humaines, formant les premières postérités royales. Il y a environ 12 000 ans, la flotte spatiale de Enlil, devenu roi de Nibiru, revient sur la Terre pour éliminer ces êtres humains qu'il avait, contre son gré, autorisés à voir le jour. Enki tente de communiquer avec son frère. La réponse est un rayon destructeur qui s'abat entre le Maroc et l'Espagne actuelle. Dans un grondement terrifiant, la terre qui liait l'Afrique à l'Europe se désintègre dans l'air et l'océan Atlantique s'engouffre comme une furie par le détroit de Gibraltar à peine créé. Telle une énorme canonnade d'eau, les flots pénètrent dans la Méditerranée, détruisant les écoles d'initiation à Malte et en Sardaigne. Ils submergent l'Italie, la séparant de la Tunisie. Ils inondent la plaine grecque, y créant des îles,
puis pénètre entre la Bulgarie et la Turquie pour former la mer Noire. Enfin, des vagues, hautes de 100 mètres, se dirigent vers Eridu, balayant tout sur leur passage. Qualifié de déluge universel dans la Bible, ce désastre ne touche en réalité que la zone allant de la Méditerranée à la Mésopotamie. Enki avertit le roi Ziusudra, le Noé biblique, qui construit une grande barque où il se réfugie avec sa famille et ses animaux. D'autres survivants, provenant des terres désormais submergées par la mer Noire, vont s'installer non loin d'Eridu, où ils fondent Ur, constituant le peuple des Sumériens. Ils ne savent pas qu'ils sont près d'une base Anunnaki. Enlil aperçoit ces quelques survivants humains, mais quand Enki se jette à ses pieds, il triomphe et se satisfait de la situation. Cependant, il n'est pas revenu dans le système solaire uniquement pour punir Enki et les humains. Il doit évacuer Mars, devenu inutile. Il repart donc avec son escorte. Entre-temps, l'arche s'est enlisée dans l'actuelle Arménie. Noé et sa famille sortent alors et se regroupent dans les premières agglomérations urbaines. Ils cultivent la terre, élèvent des animaux et vivent en harmonie avec la nature. Oubliant leur origine extraterrestre, ils organisent une société sans hiérarchie et sans discrimination sexuelle, avec comme règle le cadeau pour entreprendre les échanges. En Mésopotamie, les Sumériens découvrent leurs voisins Anunnaki et les adorent comme des dieux. Les Anunnaki, eux, se flattant d'être considérés comme des divinités, s'amusent à exposer leur savoir à ces petits hommes à la tête noire. Dès lors, les Sumériens inventent l'écriture en imprimant sur des tablettes en argile des caractères cunéiformes représentant les expressions phonétiques de la parole. Ils inventent l'école pour l'instruction et ils accomplissent des calculs compliqués en ingénierie, se montrant capables de résoudre des équations algébriques de troisième degré. Ils connaissent le système solaire et inventent le premier calendrier, divisant le jour en 24 heures et l'heure en 60 minutes. De leur côté, les Anunnaki ambitionnent de se partager la terre. Le fils de Enki, Marduk, soumet les gens de la Tunisie jusqu'au Soudan et constitue le peuple des Égyptiens. Son domaine comprend les pyramides, jadis construites par les dieux héros, tout comme le sphinx, un énorme lion en pierre que Marduk fait modifier pour lui donner le visage de son fils Nabu. Mais Marduk est bientôt chassé d'Égypte et revient en Mésopotamie où il bâtit Babylone. Trois frères Anunnaki, Dan, Rama et Vira, occupent la Scandinavie qu'ils abandonnent pour chercher un climat plus tempéré. Dan occupe la Sardaigne pour s'établir plus tard en Italie où il constitue le peuple des Étrusques. Rama arrive en Inde, mais une race noire très évoluée l'oblige à se replier en Anatolie, où il constitue le peuple indo-européen. Le troisième frère, Vira, se dirige vers le détroit de Bering et rentre en Amérique, longe la côte et arrive en Colombie, où il fonde la civilisation andine. L'Anunnaki Huang, appelé l'Empereur Jaune, occupe la plaine de Pékin et envahit les peuples voisins, établissant l'ancienne Chine.
l'Anunnaki Yahweh, occupe la Palestine et s'allie à Marduk pour détruire Sodome et Gomorre, qui refusent de se rendre. Les murs vitrifiés de ces villes affichent encore une radioactivité typique des explosions nucléaires. Yahvé avait un ami humain, Abraham, et cette amitié les amène à un pacte d'alliance. Yahvé promet à Abraham et à sa progéniture qu'il leur donnera le pays de Canaan. En contrepartie, Abraham jure de se rendre un culte à Yahvé en tant que Dieu unique et de se faire circoncire, lui et ses enfants mâles, pour se distinguer des hommes des autres factions. Dans le récit biblique, l'un des fils d'Abraham, Ismaël, est l'ancêtre des tribus islamiques, tandis que le petit-fils d'Abraham, Jacob, est l'ancêtre des tribus d'Israël. Il y a environ 5000 ans, une révolte éclate sur Nibiru. Enlil est sur Mars et la quitte de si mauvaise humeur qu'il arrive sur Nibiru et commet tant d'iniquités que sa propre famille royale le contraint à l'exil. C'est Enki qui est alors rappelé d'urgence sur Nibiru comme héritier du trône. Lui, qui souhaite laisser aux hommes la gestion de la terre, appâte les Anunnaki répartis dans le monde en leur promettant que s'ils le suivent, il partagera avec eux le pouvoir sur Nibiru. C'est ainsi qu'il y a environ 5000 ans, les Anunnaki abandonnent la terre. Les annotations sumériennes se terminent d'ailleurs à cette date. À cette même date, la préhistoire s'achève et l'histoire débute. Pourtant, en 1939, à Ninive, si nous n'avions pas découvert ces milliers de tablettes sumériennes qui citent nos ancêtres comme étant le produit d'une manipulation génétique entre un primate et un extraterrestre, nous n'aurions pas su grand-chose sur l'origine de la race humaine. Si ce que les Sumériens ont écrit est vrai, cela explique le manque de pièces prouvant l'évolution darwinienne de l'homme et ces énormes œuvres en pierre que notre technologie d'aujourd'hui ne peut égaler. Si cela n'est pas vrai, très vives félicitations à la fantaisie de ces Sumériens qui, il y a 5000 ans, ont inventé cette histoire fantastique.